L'objectif de cet exercice est de s'entraîner à multiplier des nombres décimaux entre eux. Pose et effectue cette multiplication. 2,6 fois 43. Pour multiplier un nombre décimal par un nombre entier, je dois poser la multiplication sans tenir compte de la virgule, comme s'il s'agissait de nombres entiers. Dans notre cas, on va devoir effectuer l'opération suivante, 26 fois 43. Comme 2,6 est 10 fois plus petit que 26, alors le produit de 2,6 fois 43 sera lui aussi 10 fois plus petit que 1118. Donc pour obtenir le résultat, on doit faire dans sa tête 1118 divisé par 10 et on trouve 111,8. Donc 2,6 fois 43 est égal à 111,8. Il y a une méthode un petit peu plus pratique pour trouver le positionnement de la virgule. On peut suivre ce raisonnement. 2,6 possède un seul chiffre après la virgule et 43 aucun. Donc en tout, il n'y a qu'un seul chiffre après la virgule. Le résultat comportera donc lui aussi un seul chiffre après la virgule. C'est ce qu'on retrouve dans 111,8. Pose et effectue la multiplication suivante. 8,6 fois 39.
8,6 fois 39 est égal à 335,4. Je remarque bien que dans 8,6 fois 39, je n'ai qu'un seul chiffre après la virgule, et dans mon résultat final, je n'ai aussi qu'un seul chiffre après la virgule. Pause et effectue la multiplication suivante. 27,5 fois 54. Voici le résultat de 27,5 fois 54. Il s'agit de 1485,0. J'ai bien un seul chiffre après la virgule dans mon résultat, parce que je n'avais qu'un seul chiffre après la virgule dans les deux facteurs.